La Coule est verte, un lieu de promenade avoisinant le Bretonneux transformé en camping de fortune. Depuis le 7 juin, une communauté catholique de gens du voyage s'est installée illégalement sur ce terrain appartenant à Saint-Quentin en Yvelines. La ville n'a pas eu d'autre choix que de les laisser. La police nationale a eu l'ordre en direct du préfet de laisser faire puisque... des termes qui ont été rapportés à mon élu, c'est un moindre mal, puisque je crois qu'avec le golf, ils essaient de protéger un petit peu les alentours, le terrain Thalès. On n'a pas le choix, c'est la loi. La loi ne nous aide pas, hein, puisqu'une fois que les caravanes ont dételé, on ne peut plus les renvoyer. La mairie a donc mis à disposition des conteneurs et des branchements en eau et électricité pour la soixantaine de caravanes. Mais dans ce quartier résidentiel de la Bretonnière, avec une école, les inquiétudes sont nombreuses. Les habitants sont excessivement remontés, il y a de quoi. Je crois que nous sommes dans une situation un peu inhabituelle. Le cadre de vie, les Vicinois y sont profondément attachés et là on voit... des gens, un groupement massif s'installer. Il y a des dégradations de terrain. Je souhaite que le terrain soit nettoyé, bien évidemment. Contactée par nos soins, la communauté n'a pas souhaité s'exprimer. Le responsable s'est engagé auprès de la mairie à partir le 23 juin et à nettoyer les lieux avant leur départ.